du pain pendu. Allez, mais ça va, attachez. Eh oui, Rastafish. Le temps rouge, il est beau. Ça va bien, ça. Ça va bien, ça. Oh, poiré. Là, on part plein ouest chercher les chasses de temps rouge. On est avec Rodrigue, notre chef Rodrigue, japonais, c'est ça. Qui va nous cuisiner des sushis. Non, non, mais nous on veut du circuit court, donc on va vous donner du circuit court. Ouais, je suis chaud là. Et toi Mathieu, tu vois ça? Ouais, j'ai 44-32 là pour l'instant, 29, regardez le grain, mais pas de poisson qui saute. Donc là on est bientôt sur la zone, quand on va voir des poissons, c'est indice oiseau, ou alors on voit carrément les poissons sortir de l'eau. Fais trembloter un peu, hein, moi je suis chaud comme à la braise. La pression monte, allez. On attaque, allez, c'est parti, on avance sur les bancs, là. Et matelot. Il y a quelque chose de très salin, hein, je trouve. À pas mort, mon capitaine, à pas mort. Je crois qu'on va essayer, Ok. Ça commence à taper un peu, je pense qu'on a une chasse qui arrive devant nous, là. Devant. Je te dis. Appliquez-vous sur l'animation. C'est pas simple. Putain, pour l'instant, ça mord pas là, mais c'est impressionnant. C'est des petits coquins, c'est des thons vegan. Ça saute là-bas. Devant là-bas. Allez me lancer là-dedans. Attention, parlez-vous. Ah putain, décroché. Je décroche. J'ai vu. Merde. C'est superbe. Là-bas. Ouh là, c'est parti. Yes, allez, ça va le faire là. Allez, le lancer, il faut que ça soit bien fait. Putain, c'est devant là. Allez, Vincent, viens. Vous énervez pas l'animation, doucement, toc. Toc, on fait doucement. Là, je suis au vide, fais pas de vague là. Hein. Ouais, c'est abordage. J'ai plus de bras quoi. 150 kilos. Et là, pause casse-croûte, un petit coup de blanc, de rouge, un peu de tout. On prend des forces et après on va finir par attraper un gros thon. Il a pêché. Tu vois, elle est bien sèche, la saucisse. Ouais. Magnifique. C'est la base. Il n'y a que ça de vrai. Là. À gauche, à 11h. Okay, elles sont devant. Oh là, ça. Oh putain, regarde ça, c'est pas possible. Pendu. Yes. Garde le fil tendu, fais gaffe à l'angle. Tranquille, lève pas trop la canne. Vite. Du pain pendu. Oh putain, la sardine, elle est grosse. Lève pas trop la canne. Donne-moi un coup à boire, vite. Eh oui, Rastafish. Allez Vincent, pas d'erreur là, tranquille, il va te rerocher. C'est cool, c'est pas grave. T'as loin, une petite lichette, t'as pas dans le combat. Que ça lui coule partout dessus. Allez. Il a pris beaucoup de fil au départ. Je suis sûr qu'il a pas fait. Je suis là, c'est sportif. Passe-moi un sandon. Allez Vincent, attention. Ah oui, putain, vas-y, remonte. Tiens, tu prends la place, vas-y, prends le truc. Vas-y, Arthur Mouline. Vraiment, aucun mou. Faut essayer vraiment de ne pas mettre de mou. Allez, vas-y. Pense à ta femme, tes enfants. Vas-y. T'es bien, là. Tranquille. Attention. Yepa. Ça c'est beau ça. Tu m'en verras. Comment on appelle ce poisson? Le thon rouge, il est beau. Torpille, on va l'appeler torpille. C'est le torpille. Béton, c'est le béton. Merci. Attends, donc 80 km/h. En vitesse de pointe. Ouais. Et un bateau bien armé qui avance, il fait en kilomètre. 75-80 à fond. T'es où, Tony? 44-57 à 38, des poissons.
Lancez les gars, faut les faire monter. Poisson pendu. Oh, chier quoi. Ça c'est efficace. Oh, détaché. Oh là. Oh, putain, les boules. Hop. Merci. Il a peut-être les deux dans la bouche. On va retrouver l'odeur. Non, on a lancé en même temps avec Pierre. On ramène. Et on a eu une attaque. On avait les deux leurres juste à côté. Au moment où les deux leurres se croisent, boum. Pierre, là, quand on est en train de prendre le poisson, en fait, à la base, c'est le caméraman. Du coup, c'est le caméraman qui pêche le poisson. C'est un peu incroyable, c'est extraordinaire. Non. Ah non. Ah bah, pendu. Cette fois, il vient. Là, il me prend du fumier. Attention là, Jérém, sous le bateau. Hop là. Yes. On y est ou on n'y est pas là? Attends, ça compte pas, il a pas remonté. Allez, vas-y. Du chaud. J'ai pas de On est bien. Yes. Putain, la force que ça a, mais c'est monstrueux. Ah, c'est joli là. C'est maillé. Quand ça prend un coup de berceau. Et... Allez, chaud vite. Allez, chaud. Allez, on rate. Mathieu, oh, chaud. Il est beau. Oui. Il y a là. Là, oui, là. Attendez-vous pas, les gars. Bougez pas, bougez pas. Attends, mais... Ouais. Allez, là. Tu crois qu'on peut passer à côté, ouais. C'est une tortue, quoi. Une tortue, quoi. Tortue lutte. Elle est là. Pour, pour. On passe dessus là. Là, regarde, filme là. Regarde comme elle est monstrueuse. Regarde. Regarde ça, comment c'est magnifique. Regardez-moi ça avec les poissons pilotes. Ça, c'est rarissime, les gars. C'est le truc de Star. C'est fantastique. C'est énorme. Et les poissons pilotes et tout. Non, mais là, les gars, ce qu'on vient de vivre là. Fantastique. On vient de rencontrer une tortue lutte. Tortue lutte, mais c'est information rarissime. C'est la deuxième fois que j'en vois en 15 ans au large. C'est génial. Par contre, ça fait quasiment 300 kg ou 400 kg, c'est incroyable. La taille monstrueuse. Ça fait. Magnifique. Magnifique. Putain, cette journée de fou. Entre le matin et l'après-midi, il n'y a rien à voir. Hein. Une heure de pause, et pam. Là, les tours étaient au taquet. Et c'est la première fois qu'on remontait un ton. Et je pense qu'heureusement qu'on était deux, parce qu'on n'a pas fait le point. Ah, mais je te jure, je crois que j'ai perdu 5 kilos en un quart d'heure. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? On va aller en cuisine et on va découper ces poissons superbes. Non, mais il faut se souvenir quand même que c'est une bague par an, par bateau. Donc on a la chance de partager ce moment avec Merci à Jérémy et Jérémy, ses copains. Je peux te dire que j'ai faim, j'ai très soif. Regarde ça, quoi. C'est pas beau? Superbe. Hein. C'est la pepeuse, c'est la pepeuse, c'est la pesée. 30-40. On prépare l'apéro. Le fromager, ça va? Il va bien, le fromager. Impeccable. On va découper les torpilles. Ben, 7 et demi. Eh oui. Là, de Dieu. C'est pas les tomes de la fête à Souston. Donc là, l'endroit sur la moitié. Ouais, là, t'attrapes la moitié. Là, j'ai pris au milieu, histoire de sortir le dos et le ventre. Ça, c'est un morceau plus gras. Et ça, le dos, là, c'est plus rouge et tout. C'est pour faire les tataki crus, tout. C'est le meilleur morceau. Oh, la couleur. Après. On dirait du bœuf, quoi, dedans. Regarde. Est-ce qu'on peut goûter un morceau comme ça en direct? Évidemment. Regardez-moi. Merci pour la journée. Allez, on démarre. Petit bout de thon rouge cru. Belle texture. Faut le... C'est bon sans rien faire, imagine faire de sel et d'olive, c'est fini. Hein. Cœur de longe. On va faire un bon tataki là-dedans. Juste en aller-retour. Super. Cru à cœur. Rouge. Comme un soleil couchant de Méditerranée. Je lève la ventrèche, mon vieux. Bah, c'est une petite œuvre, ça, c'est pour offrir un gueuleton. On a la petite pinasse qui va là et la petite vinifila pour leur faire un petit souvenir, pour dire comme quoi sur le bassin, on mange bien et on sait recevoir les gens. C'est des petits chipirons qu'on va faire en persillade. Oh, ça a l'air du coup de blanc, viens. Merci. Tu me dis. Steak de thon sur l'arête. 4 minutes. Montre-nous un peu tes steaks de thon là, ça vient d'où? Ah, peut-être de thon, c'est de l'Aubrac. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est une plein d'air de thon. Les gars, c'est sorti. Jérémy, alors.
veux savoir. Là, on est quand même, on est chez toi, tu nous reçois dans un garage qui appartient à ton papa, c'est ouais. Quoi? Donc là, on est à L'Aiguillon, la capitale de la France, même du monde, un peu, on peut dire la capitale mondiale, dans la principauté indépendante d'Aiguillon. Attends, parce que L'Aiguillon par rapport à Arcachon, c'est quoi? C'est-à-dire que L'Aiguillon, ça appartient à Arcachon. L'habitant d'Arcachon, il est prêt à revendiquer à tout moment l'indépendance du quartier de L'Aiguillon. Attends, t'es en train de me dire que L'Aiguillon, en fait, c'est un pays? Ouais, qui est prêt à être indépendant. Une principauté? Oui. Avec des mecs très énervés. L'habitant de L'Aiguillon, on appelle ça le Pirelon. Pirelon. Monseigneur Pirelon, nous passons une agréable soirée avec en terre d'Aiguillon. Et là, on va goûter la ventre à jetons. Une tuerie, va la sauver. J'ai une bande d'amis qui aiment chanter la table. C'est du foie poêlé avec un peu de résistance sur des petites lamelles comme ça. Fais pas les pots, c'est beau. Ben ça, c'est exceptionnel. Ça, là. Oh, poire. J'ai vu des bons vivants. Ah, bien ça. Ça va bien ça. Si vous goûtez le tartare de thon rouge, là tu ris. Je le répète avec du pain, tout va bien. Oh, c'est bon. On était pas sûr de l'attraper. On a chié, on a galéré. Maintenant il est là. Et on lui rend hommage. On lui rend, voilà, on lui rend. Merci. Tu viens du Pierre-Bois. C'est délicieux, c'est fantastique.